Bonjour les amis, ici Groucho Geek et nous allons nous initier à un jeu déjà en solo. J'ai une quête aujourd'hui, j'ai une quête, je dois aller réparer un générateur. Si j'arrive très bien, sinon pas, ce sera une seule partie pour le moment. Juste pour voir ce que donne l'enregistrement de la Shadow sur ce jeu. Donc c'est un jeu où vous incarnez des survivants. Nous sommes quatre déjà, voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que je... Non, je claque pas. Ah, trousse de soins, trousse de soins. Non, j'aurais préféré une trousse de mécano. Oui, on a... C'est que l'autre Dwight a dans la main. Donc, Mais la personne là-bas est habillée comme moi, c'est perturbant. Je vais changer de tenue. Je ne peux pas changer de tenue. Bon bah tant pis! Tant pis, tant pis, tant pis. On verra bien ce que ça donne. Donc vous jouez des survivants normaux, potentiellement de ce que j'ai... Oh, attendez. 60, très bien tout ça. Il faut gagner. Il faut gagner, gros Chocogeek, avec ce bonus-là. Donc vous jouez des survivants. Des survivants, c'est un peu un grand mot, puisque les personnages que vous jouez sont des personnes qui sont dans une espèce de purgatoire. Et vous êtes traqué par des grands serial killers. Alors il y a deux trois visages que vous connaîtrez peut-être, si vous regardez mes vidéos à venir, ou celles de Maillard. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de Maillard qui sont très très sympathiques là-dessus, même s'il a l'air de prendre un plaisir très sadique à massacrer les joueurs. Je trouve ces vidéos très savoureuses. Et pour survivre, on doit... Bah, l'attaque des clones. On doit réparer des petites choses qui s'appellent des générateurs qui sont... On a de la chance qu'il y en a là. Il y en a là. Donc, Dwight donne des gros bonus quand il répare, et qu'il répare à quelqu'un d'autre, et apparemment notre mon camarade répare avec une trousse de mécano, donc on pourrait peut-être réparer celui-là très vite. Ah putain. Ah ouais, bon bah ça s'appelle le premier méchant. Bah, je vais me casser puisque là je ne pourrais rien faire de toute façon. On peut se cacher. Donc nous sommes face à un tueur qui a la possibilité de se rendre invisible. Se déplaçant, ne laissant qu'une lueur à la Predator, ce qui est très compliqué. N'ayant qu'un laps de temps quand il est invisible pour pouvoir redevenir visible et taper. Et bien sûr, monsieur reste dans le coin. Ah, petit malin. Et il est devenu invisible. Ah, il devait y avoir un. Bon, bah j'espère que quelqu'un d'autre va l'attirer bientôt parce que je ne pourrais pas aller le sauver tant qu'il se balade. Regardez, il est là. Il est au milieu. Il est là. Il est là. Je te vois. Tu es toujours là. Il n'a pas envie d'aller s'occuper de l'autre. Il va vraiment falloir que j'aille au culot parce que sinon je vais jamais y arriver à les sortir. Ah, non. Ça y est, il s'est déplacé, il a décidé de se barrer. Non, il est toujours là, hein. Ah non. Regardez-moi ça, il me passe devant. Non, mais sérieux! Bon bah tant pis, hein, on va tous les... Je vais... Aïe! Bon bah il a retapé dans le survivant que j'ai décroché, dommage. Et là, je me fais traquer. Ouais, bon bah il est mort. Il est mort, définitivement mort.
Autant se barrer loin d'ici, car de toute façon, il ne lâchera pas l'affaire. Je pourrais tenter d'aller récupérer la caisse d'outils qu'il avait. Mais c'est pas gagné. Hop. Mais non ! Oh mais sérieux ! Je peux pas passer en dessous. Bon bah, ça aurait été une partie très courte. J'aurais été très content de vous revoir les gens. Voilà, voilà, voilà. J'ai tenté. Et les deux autres jouent... Ah, et... non, c'était lui. Ils sont où les deux? Les deux autres n'en ont rien à foutre. Bon, on va tenter de se barrer. Des fois que. Puis si on n'arrive pas, bah, c'est la mort et c'est pas grave. On va pas chercher plus loin. On va pas chercher plus loin. Voilà. Donc l'assassin doit nous accrocher, nous sacrifier à une entité démoniaque. Le gros chocogeek suspendu. Mais on gagne quand même 2-3 points de sang qui permettent d'améliorer le personnage. Ce qui n'est jamais négligeable. Ah bah, comment ça j'ai pas... Ah oui, non, il faut que je prenne déjà. Bon, allez, on va débloquer là. Ce sera fait. Voilà, c'était première petite vidéo, tentative, voir comment la Shadow réagit. Si ça a bien marché, que je l'ai diffusé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le signaler, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à le partager, ça fera plaisir aux autres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Et dites aux gens qui comptent pour vous que vous les aimez. Tous les jours. C'était Gros Choco Geek sur Dead by Daylight. Et moi je vais me prendre un peu de repos là parce que ce jeu il est quand même snaf nia nia.